Voici le nouveau trio directeur du RC Lens. Aux côtés du président Gervais Martel et du directeur sportif Jocelyn Blanchard, Arnaud Pouille vient d'être nommé directeur des affaires commerciales dans un nouveau système de fonctionnement, le board. On est sur un modèle de gouvernance en fait, qui est un peu anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il y a un board à qui on reporte. Gervais en est le président et il y a des règles de gouvernance qui sont spécifiques et internes au club. Après l'échec de la montée, les actionnaires ont souhaité une restructuration. Arnaud Pouille est le nouvel homme fort, mais Gervais Martel le rappelle, le patron, c'est lui. C'est aussi donner de l'autonomie aux gens et avec un opérationnel concret qui est Arnaud Pouille. Ce qui ne veut pas dire que Gervais Martel ira couper les rubans le matin et arroser les chrysanthèmes le soir. Alain Casanova a été reconduit comme entraîneur avec l'objectif d'amener le club en Ligue 1 à la fin de la saison. Le recours contre la montée d'Amiens a peu de chances d'aboutir, mais Gervais Martel a mis les choses au point sur cette initiative plutôt mal accueillie. Merci Amiens, ils nous ont reçus parce que personne ne voulait de nous. Mais quand on dit accueillir, il y a une différence entre accueillir et payer 1 200 000 euros. On a payé 1 200 000 euros pour jouer à Amiens l'année dernière. Donc moi, je ne dois rien à personne. Les Sorayors ont repris l'entraînement ce mercredi. Ils savent que cette année, ils n'ont plus le droit à l'erreur.